Bonjour, aujourd'hui se déroulait la première journée des finales au plongeon. L'ambiance était électrisante sur le bord de la piscine, les athlètes étaient prêts et les résultats sont incroyables. Premier fait saillant de la journée, trois athlètes ont battu les records des Jeux. Nous parlons ici d'Anne-Frédéric Morin de la Rive-Sud qui a battu le record des Jeux du Québec à Drummondville de 20 points dans la catégorie B aux 3 mètres. Nous parlons aussi de Léane Marantette de Lanaudière, dans la catégorie C ou 1 mètre, a fait 16,2 points de plus que le record qui avait été obtenu à Repentigny en 2007. Quant à Xavier Logan, il a dépassé le record qui avait été obtenu lors de la finale de Salaberry de Valleyfield en obtenant un pointage final de 289,45 aux 3 mètres dans la catégorie D. Tel que mentionné samedi dernier, lors des faits saillants, la Rive-Sud avait provisoirement classé trois athlètes en première position. Lors de la finale, aujourd'hui, deux de ces athlètes ont réussi à maintenir leur position et monter sur la première marche du podium. Félicitations pour vos médailles d'or. Finalement, Charles-Antoine Labadie de la région de Laval, qui était lui aussi à surveiller, a réussi à obtenir la médaille d'argent au 1 mètre chez les garçons C. Mais ce n'est pas tout pour Laval. Laval a aussi obtenu une médaille par Anna Madavi, qui a obtenu la médaille de bronze dans la catégorie C, au 1 mètre. Pour Laval, les médailles obtenues aujourd'hui, c'est des médailles qu'ils n'avaient pas eues depuis plusieurs années. C'est tout pour aujourd'hui. De retour demain pour les derniers faits saillants de la 52e finale des Jeux du Québec d'Allemagne au plongeon.